Bonjour à tous. Alors là, je suis en train de lire un article. C'est vraiment marrant, hein. C'est vraiment parce que j'ai rien à foutre, d'accord? Selon la Bible, nous dit-on, au livre de la Genèse, alors le livre de la Genèse, c'est un livre de la Bible qui explique l'origine de l'homme, Adam est le premier homme, soit, hein, et a été créé par Dieu. Bon, mais déjà, si vous ne croyez pas Dieu, en Dieu, c'est pas forcément nécessaire d'aller plus loin, d'accord? Alors ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Adam a été créé le sixième jour de la création du monde. Mais déjà à l'époque, il savait compter au moins jusqu'à six. Et maintenant, il faut 9 mois pour créer un être humain. Donc, ils n'étaient pas cons les mecs finalement, hein. On n'a pas tellement progressé de ce côté-là. Hein. Alors, on nous dit ensuite, Ève fut créée à partir d'une côte d'Adam. Attention, pas d'une couille, d'une côte. Ah non, parce qu'au départ, moi, je croyais qu'il y avait une faute d'orthographe. Mais non, non, c'est bien d'une côte. Alors, actuellement, on n'est pas capable de concevoir un être humain à partir d'un os. Hein. Donc, finalement, les mecs, ils n'étaient pas si cons que ça. Hein. Alors, ensuite, on nous dit, Adam et Ève avaient 3 fils. Caïn, Abel et Seth. Ben, à mon avis, à l'époque, hein, pour que le 3e fils s'appelle Seth, c'est qu'il devait avoir du mal à compter jusqu'à 7. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Selon les légendes juives, Adam eut une première femme, Lilith. Lilith? Ça me dit quelque chose, Lilith? Je la connais. Ah non, ah, j'ai confondu. Je répète, Adam eut une première femme, Lilith. J'ai confondu Adam avec Satan. Satan, Monseigneur Satan, Lord Satanas. Excuse-moi, Lilith. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là-dedans? Pas grand-chose d'autre, finalement. Bon, apparemment, l'histoire ne dit pas si Adam a foutu un doigt dans le cul de Lilith ou de Ève. Hein, parce que là, je ne sais plus très bien, finalement. On se mélange, quoi. Hein. Parce que bon, mais comme ils étaient nus à l'époque, c'était facile de foutre un doigt dans le trou du cul, bordel de merde. Et même 2, éventuellement. Et puis 3, bon Dieu. Ah, shit. Bon, alors tout ça pour dire que bah, si vous pensez que Adam et Ève étaient les premiers hommes et femmes, d'accord? Eh bien, à mon avis, eh bien, ce ne sont ni lui, ni elle. Et bonne fête au Daniel. À demain.